La perte d'un être cher n'est jamais facile. Après son départ, il nous reste des souvenirs, mais aussi des preuves physiques de son passage. Dans le village de Sainte-Euphémie, près de Montmagny, Rachel Thibault a hérité d'un aménagement paysager laissé par son mari Conrad, qui était un grand passionné d'horticulture. Vivant maintenant seule, mais étant grandement impliquée dans sa communauté, Rachel manque de temps pour entretenir son jardin floral. Aujourd'hui, les bienfaiteurs remueront ciel et terre afin de réaménager le parterre de Rachel selon son besoin. Il y a des moments dans la vie où on ne dirait pas non à un coup de main. Et il y a des gens qui sont toujours prêts à se porter volontaires pour aider leurs prochains. On les appelle les bienfaiteurs. Rachel est très active dans son milieu. Étant bénévole dans une multitude d'activités, elle est toujours présente pour aider son prochain. Aujourd'hui, les bienfaiteurs Jessica Langlois du Centre d'entraide communautaire bénévole de Montmagny-Lillet et Pierre Bouffard, associé au Café Bistrot au coin du monde, ont décidé de lui offrir un retour de balancier soutenu par les trois filles de Rachel, Isabelle, Sophie et Josée. Pourquoi on a décidé de rendre hommage à ma mère aujourd'hui? Dans le fond, je pense que c'est pour l'ensemble de son œuvre. Ma mère, c'est quelqu'un qui est pleinement engagé dans tout ce qu'elle fait dans la vie. Ma mère a été une maman extraordinaire et de un, puis elle a été une enseignante très, très appréciée aussi. Elle a enseigné aux tout petits de première année du primaire pendant 39 ans. Donc, ma mère, c'est quelqu'un de très impliqué, de très engagé, de très investi. Elle s'investit dans sa communauté, dans le milieu. Alors, elle enseigne plus maintenant, mais elle n'est pas inactive pour autant. Justement, le bénévolat pour elle, c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant. Quand mon mari était là, c'était un passionné de fleurs. Alors, il avait fait un grand jardin. Puis lui, c'était une vraie passion. Il passait son temps, ses journées dans ses fleurs. Alors, comme il aimait ça beaucoup, bien, moi, je voulais garder son espace fleur. Mais comme j'ai eu d'autres activités, j'ai d'autres passions, bien, je ne consacrais pas assez de temps. Donc, j'ai perdu vraiment le contrôle des fleurs. Puis là, je voulais faire quelque chose. Puis je voulais aménager ça autrement, mettre du gazon pour diminuer un peu le travail que je savais que je ne réussirais pas à accorder autant d'heures que lui accordait. Elle a été très, très présente pour son mari aussi au cours des dernières années. Sa fin de vie a été fort triste. Il était atteint de la maladie d'Alzheimer et comme toutes les personnes qui sont atteintes de cette terrible maladie-là, bien, il s'est mis à être dépouillé de sa mémoire. Donc, il ne reconnaissait plus ma mère, il ne reconnaissait plus les lieux, il ne savait plus qui était dans la maison chez lui, il ne savait plus même qui il était lui. Donc, elle a eu un rôle de proche aidant. Pour elle, comme pour tout ce qu'elle fait dans sa vie, ça allait de soi. Elle ne s'est même pas questionnée. Est-ce que je le fais ou si je ne le fais pas? C'est naturel chez elle. Mais ça a été une période extrêmement difficile. Quand sa santé a lâché, là, alors j'ai été 2 ans son aidant naturel. Et pour la 3e année, bien, même si j'aurais voulu... Je voulais encore m'en occuper, mais c'était impossible parce que quelqu'un qui a ce problème-là, bien, c'est 24 heures par jour. Là. Il se lève la nuit, c'est beaucoup de surveillance. Alors, les filles m'ont fait comprendre que fallait que je passe à autre chose. Mais on est resté proche, on a surveillé, on a visité, on l'a fait manger en résidence. Oui, j'ai trouvé ça... Je trouve ça bien dur, puis je dirais que j'ai pas encore accepté vraiment le diagnostic. Pour soutenir les personnes comme Rachel qui s'impliquent et donnent de leur temps, mais aussi pour ceux qui ont besoin des services de proximité, le Centre d'entraide communautaire bénévole Montmagny-Lillet, ou CECB, est un organisme multisectoriel qui couvre un large éventail de services. La mission du CECB est de promouvoir, organiser et aider à l'action bénévole dans le but d'offrir des services directs à la population, principalement des aînés de notre territoire. On a plein de beaux groupes bénévoles dans les municipalités de Montmagny-Lillet pour être proche des gens.
Les services du CIECB sont en 5 volets. Donc, le soutien à domicile, l'action bénévole, le soutien des proches aidants d'aînés, solidarité cancer pour les personnes et les proches atteints de cancer, et bien sûr, la promotion de la santé chez les 50 ans et plus. Intervenante au CECB, Jessica Langlois a eu l'occasion de côtoyer Rachel à de nombreuses reprises. Dans le cadre de son travail, Jessica soutient les proches aidants et les personnes endeuillées. Les proches aidants, c'est des personnes qui prennent soin d'un proche à domicile le plus souvent. Moi, mon travail, c'est de les accompagner là-dedans, de les aider à aller chercher des ressources, soit de l'aide à domicile, justement, pour leur donner un répit à eux, qui prennent déjà soin d'un proche là, quasiment 24 heures sur 24. Fait que pour pas que ces gens-là s'épuisent, ben moi, je vais les aider là, à aller chercher du soutien à l'extérieur. Rachel, ça a été ma première cliente quand je suis arrivée au CECB. Ça a été la première personne que j'ai rencontrée là, vraiment quand je suis arrivée. Je l'ai rencontrée à domicile chez elle. Nous, on la connaissait là, via d'autres volets de l'organisme. On savait aussi qu'elle prenait soin de son mari. Ça a changé pas mal son quotidien, là, je dirais. Là. Donc, elle a eu besoin d'aide. On l'a aidée à aller chercher du répit à l'extérieur, essayer de voir avec elle les possibilités là, d'avoir des services à domicile. Elle s'est intégrée aussi à nos groupes de soutien. Elle est impliquée dans plusieurs de nos volets. Rachel, c'est une dame qui, quand je pense à elle, je pense au mot douceur. Elle est toujours là pour tout le monde. Elle donne sans compter. Elle n'attend jamais rien en retour. Elle a toujours été là pour tout le monde. Puis je pense que là, c'est à son tour de recevoir. Mais tout le reste disparaît. C'est encore ça? Oui. Une allée ou une... Ou une plate-bande, c'est fini. Je pense que ça fait un petit bout là, que ses filles aussi travaillent là, pour l'aider avec l'entretien, essayer de diminuer ça. Fait, je pense que ça va lui faire du bien là, qu'on l'aide un petit peu à ce niveau-là. Puis je pense qu'elle va être contente et ça va être une belle surprise. Pour préparer la surprise de Rachel, nous avons demandé à Pierre Bouffard, copropriétaire du restaurant au coin du monde, de se joindre à nous. Pierre est très actif dans sa communauté, en particulier par son implication avec la Chambre de commerce de Montmagny et dans le carrefour jeunesse-emploi de sa ville. C'est pour lui une occasion de plus de rendre service et de répandre sa générosité. C'est important pour moi, c'est important aussi pour mes associés, je vous dirais. C'est de continuer au développement de notre ville. Montmagny, on y croit beaucoup. La jeunesse qui s'en vient, ceux qui ont développé aussi les aînés, c'est de toujours être près d'eux. Puis de continuer le travail de ceux qui ont déjà commencé. Je comprends que Mme Rachel elle s'est impliquée vraiment beaucoup. Puis pour nous, bien, je pense que c'est important de continuer et de l'encourager. Aussi, c'est un remerciement qu'on lui fait pour tout ce qu'elle a accompli. Bien, moi, ça me fait plaisir de lui donner une tape dans le dos pour ce qu'elle a accompli. Je ne connais pas vraiment beaucoup Rachel, mais de ce que j'ai entendu parler d'elle, c'est une personne vraiment dévouée à sa communauté. Puis, à quelque part, pour moi, bien, c'est valorisant de découvrir encore davantage sur des personnes qui ont vraiment travaillé beaucoup dans leur communauté. Puis, j'ai bien hâte de découvrir Rachel puis de la connaître. Wow! Je suis quand même très satisfait puis très content, surtout de participer à cette petite journée-là. C'est le grand jour. Il est temps pour nos bienfaiteurs d'aller rendre visite à Rachel. Celle-ci ne se doute aucunement de ce qui l'attend. Plusieurs surprises sont au rendez-vous. Pour une personne qui donne tellement, c'est un juste retour des choses. Mais ça va bien, j'ai aucune idée de ce qui m'attend. C'est ça, aujourd'hui, on est là pour vous faire une surprise. José nous a parlé là, que vous aviez besoin, peut-être, avec votre entretien paysager. Oui. Bon, fait que, on va peut-être s'occuper de ça pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui? Fait qu'on est vraiment là pour vous aujourd'hui. Ah, oh, mon Dieu. Mais pourquoi moi? Oh, mon Dieu, quand vous m'avez annoncé que vous feriez l'aménagement aujourd'hui, là, j'étais surprise, j'étais contente. Là, c'était un rêve qui se réalisait, là.
elle était vraiment rassurée de voir Jessica. C'est la première personne qu'elle a repérée dans le lot. Pour elle, la présence de Jessica, ça a été un effet d'accalmie. Oh, Jessica est là. Moi, c'est Pierre Bouffard. Je suis copropriétaire du Café Bistro Coin du Monde. Puis je suis venu aider toute la journée pour réaménager votre aménagement paysager. Bien, vous êtes bien gentil parce que ça fait longtemps que... Que vous y pensez? Que j'y pense, oui, que j'y pense. Non, bon, aujourd'hui, on va le réaliser. Fait qu'aujourd'hui, on aimerait ça que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'on doit faire avec votre jardin, là, Mme Thibault. Il faut en enlever, ouais, parce que là, c'est... Parce que ça s'étend, là. Ça s'étend, puis ça s'entremêle, les socs, puis... Qu'est-ce que tu souhaitais garder? Bien, moi, je veux garder d'abord la roche. Oui, OK. Ça, il n'y a pas de problème, on va la laisser là. Cette roche-là, elle a une histoire. Je garde, je veux les hydrangées, je veux les rudbeckias, je veux les échinacées. Les marguerites? Les marguerites. Parce que l'objectif, c'est surtout ça, hein, réduire l'entretien pour que ce soit quand même pas trop lourd pour toi à l'avenir. Oui, oui. C'est surtout à sa mémoire. Bien, d'abord, parce que c'est quelque chose de gay, les fleurs. Puis lui, il aimait tellement ça, tellement ça. Alors, je veux pas me défaire de tout ça. Il y a des plantes que je veux conserver. Puis une roche aussi, une grosse roche qu'il a fait transporter sur le terrain parce qu'il la trouvait belle. Il a même pris un camion pour la déménager. Oui, alors je veux que ça se continue. Donc, on m'offre ça ce matin, là. C'est un rêve qui se réalise. Oh, je suis vraiment, vraiment contente et touchée. Mais cette plate-bande-là va demeurer de façon plus aérée. Oui, c'est beau. Puis j'ai un chêne de planter ici, ah, là. Oui. Puis mon pauvre petit chêne, si je le laisse là, bien, c'est sûr que si je pense à la grosseur que ce... qu'il va atteindre, je ne peux pas le laisser là. Mm-hmm. On va le transplanter. Ici, j'ai plusieurs rosiers. Okay. Que eux aussi sont envahis, là. Alors, je voudrais faire un coin là-bas, un coin qu'on appelait, que mon mari avait baptisé Lilo Matisse, parce que Matisse, c'est mon petit-fils. Puis quand il est né, bien, Conrad a appelé ça Lilo Matisse. Alors là, ça deviendrait comme une roseraie, là. OK. Tout déménager les rosiers. Dans là-bas. Ce coin-là. Dans ce coin-là, oui. OK. C'est une chose que j'aimerais. Vous, aujourd'hui, pendant que nous, on va travailler sur vos plantes, là, on vous aurait réservé une petite surprise. Donc, vous allez commencer la journée là, avec un magasinage avec votre fille Sophie. Magasinage! Oui, la boutique Trapèze là, vous offre 300 $ pour magasiner. Trapèze? Oui. On a cru... C'est ma boutique préférée. Ben oui. Oh, ben, quelle attente! Ça tombe bien! Puis ensuite de ça, vous allez aller dîner là, au coin du monde. Puis cet après-midi, vous avez une visite au musée de l'accordéon, parce qu'on a su aussi que vous aimiez beaucoup l'histoire. Puis ensuite de ça, là, une visite à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. Ah, mon Dieu! Fait qu'après ça, vous allez revenir voir... Je suis choyée. Vous êtes choyée. Une belle journée pour toi. Ouais. Oh, ben. Ouais. Pour mettre en œuvre la logistique du projet, nos bienfaiteurs ont fait appel à un ami de la famille, aujourd'hui paysagiste professionnel. Pascal Tanguay, des entreprises Pascal Tanguay, mettra son expertise à contribution. Hey! Qui est là? Pascal! Wow! Et bonjour, Pascal! Hey! C'est une surprise, hein? On vient te donner un coup de main, Rachel. Ah, mon Dieu! Mais... je suis contente! De toute façon, j'avais pensé à toi, je devais te contacter. Ouais. Ah. Ça se peut-tu? Si tu m'aurais appelé, je t'aurais dit « j'ai pas le temps ». J'avais un cadeau! On avait un gros projet pour toi, puis aujourd'hui, c'est pour toi. Ah, mon Dieu, mon Dieu! Alors, il faut que je parte, là. Oui! Oui. Salut! Bye-bye! Merci! Bye! Bye. Avant de débuter les travaux, José explique en détail à Pascal les changements qui doivent être apportés à l'aménagement du parterre. Pendant que les travaux débutent, Rachel est reçue dans sa boutique favorite par sa vendeuse préférée.
Oh, ben bonjour, Josée. Je suis contente que ce soit toi qui sois là ce matin. Mais moi, je suis contente que ce soit vous qui soyez là aussi puis que vous méritez ça. Rachel, c'est une personne qui est impliquée dans son milieu, qui fait attention aux gens. Alors, ça me faisait plaisir de donner à Rachel une petite séance de magasinage. Qu'est-ce qu'on a besoin cette année, Rachel? Bien là, moi, je savais pas que je venais ici magasiner aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc, j'ai pas vraiment pensé. On connaît ses goûts, je sais comment... qu'elle aime ça être bien mise, tout en étant simple et classique. Et on a un beau choix. J'ai fait le tour pour vous ce matin, puis je n'ai trouvé pas mal de choses qui vous ressemblent. On va voir ce que vous avez besoin aussi, avec ce qu'on a déjà à la maison. Oh, ça, c'est beau quand même. C'est un peu de l'autre côté du magasin, c'est pas bien. La veste qui est en haut, ça ferait cher. Et la noire? Oui. Ah, ben, je dois avoir passé un bon 2 heures, je crois. Puis j'ai pas trouvé le temps. Oui, ça a été vraiment agréable. Il y a eu de l'essayage, beaucoup d'essayage. Oui, j'ai adoré. Sur le chantier, le travail continue. Pour accélérer la cadence et arracher les racines des plus grosses plantes, l'équipe des bienfaiteurs a besoin de renforts. Yolan Terrien, d'Excavation Yolan Terrien, vient prêter main forte avec ses équipements spécialisés. Super bien. Je suis personnellement impressionnée, je t'avoue, par l'expertise de nos paysagistes. Pascal Christian, c'est incroyable. Yolan qui est sur la petite pelle. Mike, le voisin en face, qui s'est spontanément offert. On avait besoin d'une solution rapide pour nous débarrasser des résidus, faire de la place parce que c'est vraiment colossal. On savait que ça allait être une grosse besogne. Mike est arrivé avec son tracteur. On a chargé les résidus là-dedans, il a transporté ça chez lui parce qu'il savait qu'on avait besoin de l'espace ici. Il a proposé ça généreusement. Puis il va disposer de ça pour nous ce soir. C'est au-delà de nos attentes. C'est une entraide extraordinaire. Je pense qu'elle va être vraiment contente. Je pense qu'elle s'attend pas à ce qu'on ait fait autant de choses ce matin. En fait, toute la journée. Je pense qu'elle va être impressionnée de tout le travail qu'on a fait. Puis elle va vraiment être contente. Ça va faire un beau résultat. Puis je pense qu'on va bien honorer les fleurs de son mari. Il est-tu pas pire? Parce que il est bon. Il est bon? Oui, il est bon. On va le laisser moins. Ouais, parfait. Pour décrire la journée en un mot, là, c'est une journée vraiment fantastique, enrichissante, remplie de succès. Un mot, incroyable. On a beau dire, on enlève des plants, mais c'est pas si simple que ça, là. On enlève des plants, ensuite, il faut nettoyer, il faut s'assurer qu'il n'y a plus de mauvaises herbes là-dessous avant de replanter. On prépare le plant à être replanté, on fait de la mise en pot. Ça va être vraiment du sport jusqu'à 5 heures. Après leur séance de magasinage, Rachel et Sophie vont se régaler au restaurant de Pierre Bouffard au coin du monde. Mais ce n'est pas tout. Rachel adore l'histoire et Montmagny est une ville qui en a toute une.
Elles passeront une partie de l'après-midi au Centre d'interprétation historique Sir Étienne Pascal Taché, qui raconte l'histoire d'un patriote, médecin et homme politique natif de Montmagny, qui a été l'un des derniers premiers ministres du Canada uni avant la Confédération canadienne de 1867. S'ensuit une visite privée au Musée de l'Accordéon, un lieu qui nous fait connaître et découvrir les multiples facettes de cet instrument de musique. C'est maintenant le temps pour nos bienfaiteurs de procéder à la finalisation du jardin. Pour ce faire, Groupe Dynaco BMR Saint-Paul-de-Montmigny a généreusement offert de la terre à jardin et du paillis de cèdre. Tout ce qu'il faut pour replanter, ornementer et limiter les mauvaises herbes. Oui, on a vraiment travaillé fort, on a vraiment travaillé en équipe. Pascal, ça a vraiment bien été. Pascal connaît son affaire, il nous a vraiment bien dirigés pour qu'on soit efficace, puis... J'ai bien aimé mon expérience, puis j'ai appris des choses. Je me sens accomplie. Je pense que je me sens satisfaite du travail qu'on a fait. Je pensais pas qu'on pouvait autant faire de choses en une journée. Je suis vraiment... impressionné de tout ce qu'on a fait. Le grand moment est venu. Il est maintenant temps pour nos bienfaiteurs de montrer le résultat de leur travail à Rachel. Ah, j'ai hâte. Je sais pas qu'est-ce que ça va être ma réaction. Je sais pas. OK. Alors, on tourne. On peut regarder? Oh, mon Dieu, mon Dieu! La roche est-tu belle au milieu de ça? Elle est en valeur! Oh, puis garde du paillis, puis... Oh! Ah, ça se peut-tu? C'est de toute beauté, mais là, c'est pas tout, là. Oh! Regarde, derrière toi. J'ai vu. OK. Oh, ça fait tellement longtemps que j'en rêve. Plus aéré, hein? Ah, c'est beau, en tout cas. Bien, viens, on va continuer. Ah, merci, hein, merci. Il y a encore des choses. Fini, ben c'est pas fini. Le terrain, c'est juste l'entrée. Regarde donc ça, si c'est dégagé. Les petits sentiers, là, mon Dieu. J'en crois pas mes yeux, ça n'a pas de bon sens. Dis donc, hein, est-ce que c'est à ton goût, tout ça? Bien, voyons donc, il n'y a pas de mots pour dire comment que ça a été transformé puis comment je suis contente. Il nous reste un item à planter. Bien, voyons donc. Puis on voulait t'attendre, parce qu'on sait que c'est très significatif pour toi. Puis on voulait savoir où que tu voulais le mettre. C'est le petit chêne ici. Il y avait une signification qui était ici. Ah oui. Là, lui, oh, on Dieu. Se l'était gardé pour. Mais là, tu sais quel espace que ça peut prendre, là? Oui. Où est-ce que tu l'imagines? Ouais. Moi, je le verrais ici, Rachel. Vu qu'il y a de l'espace, ouais. Il y a du soleil. Parce qu'il va grossir. Il faut penser pour plus tard. Alors, ouais. Moi, je te dirais, là, je pourrais le mettre ici. Première pelle dans un. OK. Je pense que je t'aide, là. Bravo. Super. Et voilà. Pascal. Et voilà. Oh. Content? Ben oui. Mais oui, je suis contente. Je suis contente de tout le monde. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je pensais jamais que ça m'arriverait un jour. C'est une journée de gâterie autant que ça, là. Lors des travaux, les bienfaiteurs ont dû retirer plusieurs plantes du parterre.
Afin de donner une nouvelle vie aux fleurs de Conrad, celles-ci sont déménagées à l'école où Rachel a enseigné durant les dernières années de sa carrière. Elles seront transplantées par les élèves avec l'aide de leurs professeurs. Ainsi, elles continueront de fleurir chaque année. Souvenez la belle journée que vous m'avez faite vivre. Ça m'a permis de vous connaître. Mes deux associés, Stéphane Lavoie et Stéphane Herouet, et moi-même, on est content de vous offrir un certificat cadeau de 100 $ au coin du monde. Voyons donc! Voyons donc! Ça nous fait plaisir! Merci! On a passé vraiment une belle journée là, dans votre jardin. Ça a vraiment été une journée plaisante pour tout le monde. Puis je pense que vous le méritez. Puis vraiment, là, ça a été une belle journée. Bien, gros, merci à tout le monde. Hein. Ça me touche vraiment. Puis c'est vraiment une journée de rêve. Merci à tout le monde. Bravo. Merci à vous. Je vous oublierai jamais. Mission accomplie. Yes! 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 Moi, c'est sûr qu'à chaque fois que je vais passer devant chez Rachel, je vais voir l'aménagement, puis je vais repenser à cette journée-là, je vais repenser aux gens avec qui on a travaillé, avec qui on a eu du plaisir, puis je vais repenser à l'émerveillement de Mme Rachel quand elle va avoir vu. En tout cas, je vais me souvenir de cette journée-là pour moi toute ma vie. Là. Pour ma mère, c'était très important que les plants qui allaient sortir du terrain ne se ramassent pas au compost. Donc, d'apprendre qu'elle allait vivre à l'école, par surcroît, à l'école primaire, où elle a fini sa carrière, puis que les enfants eux-mêmes allaient les mettre en terre, ça l'a ravie. Le parterre, pour elle, c'est le plus grand cadeau qu'on pouvait lui offrir. Puis on sait qu'on va lui offrir une meilleure qualité de vie pour toutes les années à venir. Elle aura à nouveau du plaisir à travailler dans le parterre. C'est ce que je retiens. Souvenir impérissable, c'est une première pour moi. Je suis bien content de l'avoir réalisé. Ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment sympathiques avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis c'est très valorisant pour une personne de pouvoir donner de son temps comme ça, surtout à une personne comme Rachel qui a toujours donné son temps. Fait que je suis vraiment content de la journée que j'ai passée. Puis je suis content de voir la réaction de Rachel, qui est vraiment très satisfaite du résultat qu'on a donné à son jardin. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis là, je me disais, bien, c'est le travail de Conrad qui se continue. Puis je me disais, bien, tout le monde qui s'est impliqué là-dedans, je trouvais que... Puis que mes filles étaient complices dans ça. Puis, tu sais, bien, voyons, ils m'aiment donc bien pour... Fait qu'il y a un paquet d'émotions là, qui se bousculaient, là. Puis j'ai vraiment apprécié. Puis je remercierai jamais assez l'équipe qui a travaillé à ça. C'est vraiment une journée importante pour moi aujourd'hui, là, le 30 août 2016. Là, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui... Quelque chose qui va me toucher le restant de mes jours. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce sont ces gens qui nous entourent et qui feraient n'importe quoi pour notre bien. Aujourd'hui, la famille de Rachel, soutenue par des amis et par les bienfaiteurs Jessica Langlois et Pierre Bouffard, ont montré ce qu'il est possible de réaliser lorsqu'on unit nos forces. Ce travail de réaménagement qui hantait les pensées de Rachel depuis des mois est maintenant chose faite, et cela grâce à la contribution de partenaires comme les entreprises Pascal Tanguay, la boutique Trapèze, le Café Bistrot au coin du monde, Groupe Dynaco BMR Saint-Paul-de-Montmini, Excavation Yolantérien et plusieurs autres qui ont choisi d'aider Rachel. Parce qu'aider, ça fait du bien.